Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté, réalisée en partenariat avec, je vous le rappelle, la Revue d'Histoire Européenne. Aujourd'hui, nous allons parler armée romaine qui ne cesse de nous fasciner, qui fut la première armée moderne. Elle a jeté effectivement les bases du combat interarmes, a donné naissance aux fonctions opérationnelles telles que nous les connaissons encore aujourd'hui, infanterie, cavalerie, génie, artillerie, renseignement ou encore logistique. Elle est même dotée d'un armement et d'un équipement standardisé. Plus remarquable encore, les généraux romains ont su développer une pensée logique, tant stratégique que tactique, et ils disposent d'une doctrine bien rodée. Fruit d'une longue expérience, cet héritage reste aujourd'hui pérenne. Il constitue malgré tout les bouleversements technologiques, une référence incontournable pour qui prétend comprendre et maîtriser l'art de la guerre au XXIe siècle. Il permet encore, deux millénaires après, de guider les pas de jeunes officiers et d'irriguer leurs pensées. Et pour en parler, nous allons recevoir le général Richoux, officier et spécialiste de l'armée romaine, qui a écrit un essai original qui vous fera découvrir la fascinante modernité du plus redoutable outil militaire de l'Antiquité. Général Nicolas Richoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes Saint-Cyrien, officier de cavalerie, et vos missions vous ont mené vers différents théâtres, en Afrique, au Kosovo et l'Afghanistan, où vous avez commandé l'opération Pamir 9 en 2004. Vous étiez à l'époque chef de corps du 3e régiment de hussards, puis général commandant la 7e brigade blindée, avant de terminer votre carrière d'active à Berlin comme attaché de défense. Bref, une carrière opérationnelle, bien rempli. Et passionné d'histoire antique, vous avez entamé des études et vous êtes titulaire d'un doctorat d'histoire antique sur le poliorcétique, c'est-à-dire... Poliorcétique. Poliorcétique. Poliorcétique, pardon, c'est-à-dire l'art du siège, donc le poliorcétique romaine. Et vous venez de publier chez Pierre de Taillac une étude passionnante intitulée « L'armée romaine, première armée moderne ». Alors, je voudrais rassurer tout de suite nos téléspectateurs, cette étude de croisée des pratiques militaires modernes et antiques est parfaitement accessible aux novices de toute littérature militaire. Très compréhensible, vous ne nous abreuvez pas de termes techniques ronflants ou obscurs pour le profane. Vous dites dans votre avant-propos avoir été frappé par la similitude entre l'armée romaine et nos armées d'aujourd'hui à la lecture de la guerre des Juifs de l'historien Flavius Joseph. Vous étiez alors jeune capitaine. Donc c'est vraiment ce livre qui vous a fait découvrir cette réalité de la modernité de l'armée romaine ? Alors j'avais quand même un certain nombre de tropismes pour la littérature romaine. J'avais quand même lu pas mal de choses lorsque j'étais jeune. Et effectivement, un jour, mon épouse m'a offert Flavius Joseph. Alors j'avais un peu abandonné ça parce que la carrière militaire fait qu'on fait autre chose et puis on est très occupé. Et puis, pour mon anniversaire, elle m'avait offert Flavius Joseph. Et là, d'un seul coup, j'ai eu la révélation, parce que c'est un des plus beaux livres de guerre que j'ai pu lire de ma carrière. Flavius Joseph est un général juif qui a été fait prisonnier au siège de Jotapata en 67 par Vespasien, qui était le futur empereur. Il n'était pas empereur, il était général. Il menait la campagne en Judée à l'époque. Et il a suivi Vespasien dans toutes ses campagnes pour la conquête de la Judée qui était révoltée. Et donc c'est le témoignage d'un général, et ce n'est pas le témoignage de Tacite ou de Tite-Live qui ne sont pas des généraux. Hein, donc les descriptions qu'il fait sont particulièrement précises, et tout de suite on sent, on voit qu'il a une expérience opérationnelle très importante, qu'on ne retrouve que dans quelques livres. Alors Jules César bien entendu, par exemple Xénophon, l'Anabase, hein, vous savez, la retraite des 10 000, et puis un certain nombre de livres un peu plus tardifs, mais même hors antiquité, c'est très rare qu'un général décrive la guerre avec beaucoup autant de précision, que Flavius Joseph l'a fait. – Donc là, vous êtes rendu compte véritablement des similitudes ?– Alors là, je me suis rendu compte véritablement des similitudes qui ne m'avaient pas frappé, et ensuite, c'est Flavius Joseph, après maturation, lorsque j'étais un peu stable à Paris comme colonel, qui m'a engagé à commencer un doctorat dans le thème des histoires d'histoire antique, oui, absolument. – Alors, il est courant de lire ici et là que finalement la pensée stratégique des chefs militaires de l'Antiquité était assez
réduite, sa plus simple expression. Alors, est-ce que c'est vrai, ou du moins c'était pas théorisé, c'était pas théorisé comme on peut avoir des manuels de stratégie aujourd'hui. Vous avez quelques manuels de tactique générale, mais qui sont assez sommaires. C'est sûrement très très empirique. Et puis surtout, ça a dû être maturé. Vous savez, au début de Rome, lorsque Rome lutte pour sa survie, conquête du Latium, conquête de l'Italie, première guerre punique, ça reste encore tout ça assez sommaire. Et puis surtout, on n'a pas des textes suffisamment précis, parce que les premiers temps de Rome, vous savez, c'est assez mythique. Oui. Et donc, on ne sait pas très bien ce qui est historique ou pas, et donc les auteurs se contentent de relater les faits, mais on n'a pas la preuve, si vous voulez, d'une pensée stratégique. On a l'impression, surtout en réaction, face à des villes, les Étrusques, etc., Véies, qui a eu un long siège, etc., toute la conquête du Latium, on a le sentiment qu'ils agissent d'abord en réaction, on ne sent pas la pensée stratégique. C'est simplement quand on arrive dans l'époque historique que les détails historiques, bien entendu, des auteurs antiques sont beaucoup plus importants, qu'on constate effectivement une pensée qui se rapproche progressivement d'une pensée moderne. – Mais lorsqu'on remonte plus loin dans l'Antiquité, voire la Grèce antique, est-ce que là il y a des choses bien sûr, Rome, à l'époque, par exemple, de la guerre du Péloponnèse est une petite ville sans importance sur laquelle on ne sait pas grand-chose finalement. Alors que, par exemple, Thucydide, la guerre du Péloponnèse, c'est la référence absolue, il faut l'avoir lue, et là vous avez une pensée stratégique chez les Grecs qui paraît tout à fait étonnante, et puis avec des oppositions, des ligues, la ligue de Délos contre la ligue du Péloponnèse menée par Sparte, et puis des combats qui amènent à la chute d'Athènes en 404 avant Jésus-Christ. Alors, vous avez employé on vient de parler de stratégie, vous avez employé le mot tactique. Est-ce que vous pourriez, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'art militaire, expliquer, on confond souvent la grande différence entre la stratégie et la tactique. Alors la stratégie, si vous voulez, c'est un petit peu le quoi. Qu'est-ce que je veux atteindre? Vous avez un ennemi. Bon, qu'est-ce que je veux faire à cet ennemi? Vous voulez le battre, vous voulez l'exterminer, voilà. Et puis ensuite, comment je vais faire pour atteindre le cœur de cet ennemi? Donc il faut trouver le centre de gravité. Oui, vous employez ce terme-là. C'est le centre de gravité. Si je le touche à cet endroit-là, je le touche à mort. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toucher à mort ou bien pour l'amener à la raison? Car même les Romains ni les Grecs souvent ne voulaient détruire leur adversaire dans leur totalité. Souvent, ce sont des combats qui permettent d'amener, je dirais, à une paix honorable pour les deux parties ou à atteindre des gains territoriaux. Mais c'est pas toujours combats la destruction finale. Donc c'est un petit peu complète. Le quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Donc il faut avoir une pensée pour dire quel objectif je veux atteindre globalement, dans sa globalité, pour amener l'ennemi a raison. La tactique, c'est le comment, c'est-à-dire sur le terrain, comment je déplace mes troupes et comment j'atteins cet objectif que je me suis fixé. Okay. En deux mots, c'est un peu comme ça, ça sera plus clair pour la suite. Alors, vous donnez trois grands principes fondamentaux de la guerre. D'ailleurs, c'est une formule de Foch. Oui. Concentration des efforts, économie des moyens, liberté d'action. Oui. Et vous affirmez que l'on retrouve ces trois grands principes dans l'expérience militaire antique. Oui. Alors, est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur les trois points? Alors, l'exemple que j'aime bien, si vous voulez, c'est l'exemple de Vespasien et de Titus pendant la guerre de 67 à 70 qui amène à la chute de Jérusalem. Donc là, c'est la prise du Temple. C'est le début de la diaspora juive. Donc c'est un événement tout à fait considérable qui a encore une portée aujourd'hui. Bien sûr. Et donc c'était sans doute un des seuls événements antiques qui a encore un effet majeur sur les relations internationales aujourd'hui, donc c'est quand même assez fascinant. – L'armée romaine se battait contre des rebelles, contre une armée constituée ?– L'armée romaine, la Judée appartenait, si vous voulez, à la province de Syrie, globalement, et donc elle se rebelle. Et donc elle se rebelle parce que les Juifs, leur autonomie, il y a un certain nombre aussi, ce que Flavius Joseph qualifie d'extrémistes, bon, c'est pas des extrémistes, c'est simplement des gens qui sont un peu nationalistes, qui acceptent mal la tutelle romaine, et donc il y a plusieurs campagnes, une première qui est absolument catastrophique en 66, qui est menée par Cestius, qui encercle Jérusalem et qui se prend une raclée monumentale. Mmh. Et en 67 arrive Vespasien, le futur empereur, qui sera empereur à partir de 69, mais il est encore général, qui fait la guerre avec Titus, son fils. Et là on assiste à ces trois principes de la guerre. Si on reprend d'ailleurs, quel est le centre de gravité donc justement? Alors, le centre de gravité, lorsque vous êtes à Jérusalem, il est clairement... Quand vous avez la campagne juive, c'est Jérusalem. Jérusalem, pourquoi? Pas simplement parce que c'est une ville. Les forces rebelles y sont. Donc déjà, c'est une raison. Deuxièmement, c'est le centre politique. Mm-hmm. Le centre économique et religieux. Et le centre religieux, surtout religieux. Parce que d'abord, il y a les richesses du temple, donc promesse de butin.
Et puis ensuite, il y a le Dieu juif. Et à l'époque, ça a une conclusion tout à fait majeure, c'est qu'il faut faire prisonnier le Dieu juif et démontrer qu'il est moins puissant que les dieux romains. Et c'est ce qui sera fait d'ailleurs, on fait prisonnier à la suite du temple, on ramène à Rome les reliques, qu'on voit encore sous l'arc de Titus à Rome, les reliques avec le chandelier à ses branches, on construit un temple et on met le dieu juif en prison symboliquement, et donc c'est la preuve, on plante les enseignes dans la cour du temple et on démontre que le dieu juif a été battu par les dieux romains. Donc alors, on va reprendre les trois points. Donc concentration des efforts, ça se concrétise comment C'est-à-dire que lorsque vous progressez, si vous voulez, quand vous avez des troupes très importantes, il ne faut pas progresser ensemble, il faut progresser un peu dispersé. D'abord, c'est meilleur pour la logistique, le ravitaillement, etc. Mais lorsque vous faites la guerre, l'âme Napoléon l'avait bien compris, à un moment donné, il faut rassembler ses troupes pour pouvoir appliquer un effort principal. Alors, de manière moderne, regardez ce qui s'est passé en février avec l'Ukraine. Vladimir Poutine a attaqué du nord au sud. Il a absolument établi aucun effort. Il a cru qu'il allait pouvoir attaquer partout à la fois. Moyennant quoi, il n'a été nulle part. S'il avait concentré ses efforts sur Kiev, Ce qu'a fait Vespasien. Alors Vespasien, lui, il descend de Syrie. Il sécurise d'abord ses arrières en prenant toutes les villes en 67 qui pourraient contrarier son approvisionnement logistique. Puis descend sur Jérusalem. L'encercle, 70, il fait le siège de la ville, 139 jours quand même, mais il a 4 légions, et quand il prend le premier rempart, il attaque le premier rempart avec 3 légions, 3 légions au même endroit. Donc ça c'est vraiment la concentration des efforts. Cestius Gallus, nous dit le même Flavius Joseph, en 66, a fait pendant 7 jours des assauts tout autour de Jérusalem sans arriver à aucun résultat. Vous voyez, donc là, 3 légions, donc effort principal, il prend le premier rempart et il progresse comme ça, progressivement, c'est très, très romain, sans prendre de risque jusqu'au temple. Bien. Donc économie des moyens. Économie des moyens, c'est-à-dire qu'il faut garder, le maximum, il faut utiliser uniquement le nombre de forces dont vous avez besoin. Parce qu'il faut garder, et ça c'est lié avec la liberté d'action, plus vous économisez vos moyens, plus vous avez de forces pour pouvoir varianter vos efforts quand la manœuvre ne se passe pas comme vous voulez. Mmh. Et donc, vous savez, Gérald von Moltke qui nous a battus en 71 disait « la première victime de la guerre c'est le plan ». Et en fait, donc, mais c'est assez vrai. L'art militaire n'est pas l'art divinatoire. L'art militaire, c'est l'art de voir toutes les hypothèses et ne d'être jamais pris au dépourvu. Donc, à partir du moment où vous gardez des forces en réserve, que vous utilisez le strict nécessaire pour obtenir votre objectif, ce qui est votre centre de gravité, à ce moment-là, vous gardez des troupes pour faire face à l'imprévu. Et donc ça, c'est quand même très très important. Et tous ceux qui ont oublié ce principe de la guerre l'ont payé. Et alors, il faut quand même dire que quand on parle des Romains, par exemple, on les voit toujours en train de faire le siège de ville, etc. Et dans ma thèse, j'ai démontré qu'environ un tiers des villes qui ont été prises par les Romains l'ont été sans combat. Elles se rendent, on arrive, on fait une démonstration de force, ça impressionne les gens en face, ils sortent, ils négocient, etc. Ils se rendent à Merci. Vous voyez ce genre de choses-là, c'est-à-dire que le général romain, il estime que la bonne victoire, c'est celle qui est remportée sans combat. Sans combat. La liberté d'action ? Alors la liberté d'action, eh bien, c'est le résultat des deux autres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un effort principal, que vous avez gardé des troupes en réserve, vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Et c'est ça qui est important. Vous gardez des réserves. Et quand ça ne va pas, la manœuvre ne s'est pas passée comme vous voulez, vous n'êtes pas un devin. Donc il y a des fois, l'ennemi vous surprend. Ça arrive dans toutes les guerres, même avec les meilleurs généraux. Jules César a été surpris à nombreuses occasions de la guerre des Gaules, etc. Donc il faut garder des troupes en réserve. Il faut garder toujours en tête que l'ennemi peut faire autre chose. Et donc garder ce qui vous permettra de faire face à n'importe quelle situation. Cette liberté d'action pendant la guerre de Judée, Vespasien également. Vespasien, quand il attaque avec ses trois légions, il garde une légion, la 10e Fretensis, qui est sa légion fétiche, et il attaque à l'ouest, il la garde à l'est. Et voilà. Ouais. Et donc il garde une légion qu'il n'utilise pas à ce moment-là pour pouvoir garder des troupes en réserve. Et puis ensuite, pendant les combats, eh bien, il y a toujours un roulement qui lui permet de garder
garder des réserves et de pouvoir attaquer à un autre endroit lorsqu'il... Alors, il y a aussi une autre campagne à laquelle vous faites allusion et qui vous sert de support, c'est la guerre civile, oui. En 69, donc c'est toujours Vespasien qui lui est rentré. Donc est-ce que ces trois points, concentration des efforts, économie des moyens, liberté d'action, est toujours d'actualité? Alors, donc, oui, le centre de gravité des troupes de Germanie. Voilà, donc vous avez Vespasien qui abandonne le front d'Orient où il fait toujours la guerre en Judée, il laisse le front à son fils Titus et revient à marche forcée vers l'Europe où il espère devenir empereur également parce qu'il est acclamé par ses propres troupes, impérator. Hein. Mm-hmm. Et donc il essaye. Donc là, lorsque Vespasien arrive en Europe, c'est le Vitellius qui est à ce moment-là empereur, qui s'est auto-déclaré empereur. Et donc là, vous avez le même principe, c'est-à-dire qu'il s'agit de fondre sur l'armée ennemie. Alors là, le centre de gravité, clairement l'armée ennemie. Alors, l'armée ennemie, on dit oui, bien sûr, détruire l'armée ennemie, mais c'est pas forcément ça, le centre de gravité. On peut avoir des tas d'autres centres de gravité. Or là, c'est une armée qui n'a pas de véritable légitimité, puisque c'est un empereur autoproclamé. Ça veut dire que si on détruit l'armée, l'empereur autoproclamé, lui, n'existe plus. Vous voyez, donc ça, c'est de la vraie stratégie. Donc, il faut détruire cette armée, qui est une armée aguerrie, qui a fait un certain nombre de guerres. Et donc, le but de Vespasien, à ce moment-là, c'est de détruire cette armée, ce qui est fait à la deuxième bataille de Crémone en novembre 69. – Et il applique les trois points. – Voilà, donc, et même la ville de Crémone est prise d'assaut. Ils font là-dessus. Alors là, il y a concentration des efforts. Je ne suis pas très certain qu'il y ait économie des moyens, parce que ce sont des combats avec des armées… Légion, l'une contre l'autre, extrêmement expérimentées, et donc ils sont obligés quand même à ce moment-là d'engager la totalité de leurs forces. Donc effectivement, le premier principe d'action s'applique plus sur cette bataille que la liberté d'action. Vous voyez, je ne suis pas persuadé qu'il reste beaucoup de liberté d'action, mais quelquefois on est obligé d'engager toutes ces forces, évidemment. – Alors on va revenir aujourd'hui, parce que j'ai noté quand même dans le livre, notamment dans des petites notes de bas de page, que vous expliquez que ces fameux trois points… ces petits coups de patte peut-être, sont pas toujours appliqués, n'ont pas toujours été appliqués dans l'armée française ces derniers temps, notamment la concentration, de l'économie des moyens, une dispersion des moyens, on va dire. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, la France, il faut l'avouer, a encore des prétentions de grande puissance et prétend intervenir partout, elle garde un spectre absolument global, mais en même temps, elle est présente sur différents théâtres avec des forces relativement médiocres. Alors, ce qui permet de durer… Médiocre en termes de… En termes d'effectifs. Oui, excusez-moi. Oui. Pas en termes de qualité. Voilà. Parce qu'on a une excellente armée, etc. Mais des forces médiocres en termes d'effectifs et de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, quand on est au Mali, on a 4 500 personnes sur toute la bande sahélo-saharienne. C'est quand même relativement peu. Mmh. Et ça ne permet pas d'appliquer un effort et d'emporter la décision, ni d'avoir une supériorité numérique sur l'adversaire à un moment donné. Alors, c'est un adversaire tout à fait particulier. Oui. Mais en même temps, on est à Daesh, on est un petit peu partout, et la posture opérationnelle de la France pour une petite armée de 200-220 000 hommes, c'est à peu près 30 000 en permanence. Mais 30 000, ça veut dire 30 000 qui y sont, 30 000 qui reviennent, 30 000 qui se préparent. Donc en fait, on est un petit peu partout à la fois, et donc, mais ça, c'est pas le problème, ce sont des décisions politiques. Oui, c'est pas le problème. Les militaires n'en sont pas forcément ravis, effectivement, mais effectivement, hein, les armes cèdent à la toge, le pouvoir politique décide de là où il veut être engagé, mais effectivement, pour des raisons de relations internationales, de prestige, la France aime bien toujours être considérée comme une grande puissance et être engagée un peu partout. Rappelons qu'on a aussi le deuxième territoire maritime mondial, donc on a besoin d'une grosse flotte, et que, ça engage des coûts, ce qui ne permet pas, à un moment donné, de faire des choix. Et donc, l'armée française, quand même, il faut l'avouer, de temps en temps, bricole. Bricole, c'est ça, c'est ce que vous dites. Et alors d'ailleurs, on parlait d'effectifs. Il y a un chiffre qui m'a terriblement surpris. Aujourd'hui, l'armée française, c'est quoi? C'est 250 000 hommes? C'est 220 000, je pense, à peu près. Et finalement, l'armée romaine, du moins au début de notre ère, c'est à peu près le même nombre. Voilà. Et tout ça pour surveiller les frontières d'un empire qui ne cesse de s'étendre. Voilà, qui ne cesse de s'étendre, qui est sur tout le pourtour méditerranéen. C'est une armée qui se déplace à pied. Alors, est-ce que vous imaginez? Alors, mais qui va très vite. Comme les ennemis se déplacent à pied aussi, finalement. Oui, les ennemis se déplacent à pied.
mais forcément, les campagnes sont plus longues. Oui, c'est pas symétrique. Sont plus longues et plus avec moins de rebondissements quotidiens que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est très très peu, Et ça a une signification moderne, c'est-à-dire que Rome, malgré sa richesse, se paye l'armée qu'elle peut. Oui. Et donc, c'est le premier poste de l'État, ça lui coûte très très cher. Et ça nous rappelle qu'aujourd'hui, l'armée continue à nous coûter très très cher et que quand on est sur des très très longues périodes de paix, souvent on ne voit pas pourquoi on paye des Charles Leclerc. Alors on commence à le voir un peu mieux, mais on dit c'est une assurance vie qui ne sert à rien des fois pendant 30 ans et puis dont on a besoin tout de suite. Voilà. Donc en fait, l'armée romaine, c'est pareil, des garnisons et une capacité de déplacement stratégique qui, pour l'époque, est exceptionnelle, avec soit par pied, soit par bateau. Mais à pied, c'est 30 km par jour. Hein. Mm-hmm. C'est 30, 30, 30, 30. Donc on va très, très vite d'un bout à l'autre de l'Empire. On se déplace par bateau et par la Méditerranée, mais aussi sur les canaux ou bien sur les rivières. Hein. On utilise toutes les rivières. Il y a des flottes de rivières. Hein, sur le Danube, sur la Meuse, sur le Rhin, un peu partout. Et donc, c'est une armée qui se déplace très vite parce que ces modes d'action sont fondés aussi sur la dissuasion et sur la rapidité de l'exécution, c'est-à-dire cette réputation d'invincibilité fait qu'à un moment donné, eh bien, on hésite quand même à s'y attaquer. Et c'est ce qui lui permet de tenir un aussi long périmètre, oui. Voilà, tout autour du bassin méditerranéen, pendant aussi longtemps, c'est-à-dire pendant plusieurs centaines d'années. Alors, comme aujourd'hui, c'est une armée de métier. Alors, une armée de métier qui ne l'a pas toujours été. Comme chez nous. Voilà, qui ne l'a pas toujours été. Et donc, il y a une armée, j'allais dire, de conscription, ce qu'on peut dire comme ça, qui date à peu près jusqu'à Auguste, qui se professionnalise de facto un peu à partir de Marius, vous voyez, et puis Jules César, parce que ce sont des armées qui combattent. Vous voyez, Jules César en Gaule, il a 10 ou 12 légions pendant presque 10 ans. Et après, il y a la guerre civile. Donc, c'est des soldats qui ne sont pas démobilisés. Oui, mais normalement, c'est une conscription qui dure 20 ans. C'est une conscription qui dure, mais normalement, quand les campagnes sont finies, on est démobilisé. Les légions ne sont pas permanentes. Celui qui décrète l'armée permanente, c'est Auguste en 13 avant Jésus-Christ. Et il décide que, eh bien, on va avoir une armée permanente pour défendre les frontières de l'Empire. Et il y a un texte très, très connu d'Agrippa qui dit, eh bien, ça permettra aux braves gens de vaquer à leurs occupations pendant que ceux qui servent à rien dans la société, c'est à peu près ça, seront aux frontières et permettront de nous défendre. Alors, si ça dure si longtemps, leur engagement, finalement, sont des soldats parce que j'imagine que l'espérance de vie à l'époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est des soldats qui ont entre quel âge et quel âge? Entre 20 et 40 ans? Oui, 40, même peut-être 40 ans, 50, de faire 30 km par jour avec un sac. Oui, mais pas forcément, vous savez. Quand on fait un peu de généalogie, j'en fais aussi, on s'aperçoit que les gens vivent vieux. Et c'est plus vieux qu'on ne le pense. Beaucoup plus vieux qu'on ne le pense. En fait, c'est la mortalité infantile qui est très importante. Et donc, quand vous voyez ça, c'est la moyenne, on va vous dire, elle a 40 ans. Mais celui qui arrive à l'âge adulte, il est à peu près bitrisatisé. Et puis, vous voyez, il a une constitution obèse, il a échappé à beaucoup de trucs. Et donc, on vit pas forcément à 40 ans. Ça, c'est une moyenne, mais d'accord. Parce que vous devez avoir 2 ou 3 enfants sur 10 qui survivent à cette époque-là, comme au Moyen-Âge, comme jusqu'au 19e siècle, ou presque, si vous voulez. Voilà. Alors, une chose aussi très, très surprenante, c'est qu'on s'aperçoit au niveau organique que les chiffres des effectifs de différentes unités sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par la plus connue, parce que dirigée par le fameux centurion que l'on connaît. Donc c'est combien de personnes une? Alors une centurie, c'est 80 personnes. Comme une compagnie aujourd'hui? Alors une compagnie, c'est un peu plus. Aujourd'hui, c'est 140 personnes. Mais par exemple, moi, j'ai commandé un escadron, c'était 90-100 personnes à peine. Vous voyez, donc on rentre dans ce genre. Et ensuite, on avait inventé la formation à 2 centuries qui s'appelle la manipule. Donc le manipule, c'est 2 fois 80, c'est 160. Donc, oui, voilà. Une compagnie d'infanterie, c'est 140 hommes. Vous voyez, donc un manipule, c'est quasiment une compagnie d'infanterie. Donc le centurion, ça correspond à quel grade aujourd'hui? Alors, lieutenant? C'est un capitaine. C'est un capitaine et qui commande une compagnie, si vous voulez. Voilà. Et puis il a comme adjoint un optio qui est à l'arrière et qui est prêt à prendre le relais et qui sert les gens vers l'avant. Donc vous voyez, c'est le sergent. Voilà, c'est le sergent. Il y a un corps de sous-officiers important ou... Non, il n'y a pas de corps de sous-officiers importants, parce que la centurie agit d'un bloc, c'est un carré.
Et donc, elle ne s'y dissocie pas. Donc, vous avez besoin d'avoir le chef à l'avant, l'adjoint à l'arrière. Et puis, vous avez aussi des rangs de petits gradés, un peu comme chez nous, caporaux, caporaux-chefs. Eh bien, à l'époque, on avait les chefs de chambrée dans les temps de contubernium. Et ouais. Donc, le chef qu'on appelait un décimus, donc chef de 10 hommes ou 8 hommes, eh bien, était sûrement inséré dans les rangs pour tenir les rangs, à l'instar de nos petits gradés d'aujourd'hui, caporaux, caporaux-chefs. Donc, vous voyez, cette modernité, on la retrouve partout. Par contre, le taux d'encadrement est beaucoup plus faible que nos armées occidentales, ça c'est absolument certain. C'est dû aussi à la nature du combat, c'est-à-dire que par carré on suit le chef donc, oui. Et on maintient les rangs. Voilà. Et d'ailleurs les ordres étaient donnés à la voix. À la voix. Voilà. Donc effectivement, on est. Voilà. Et 80 hommes, c'est à peu près ce qu'on peut entendre à la voix, si vous voulez. Donc il y a quelque chose d'empirique qui fait qu'on peut commander à la voix et à la vue. C'est-à-dire que toutes les unités ont des enseignes, comme on les a gardées très très longtemps. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait d'actualité. Forcément, on est en blindé et puis on est très 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 étalé, mais on a des enseignes. Donc on voit où est le chef au combat, on voit où est la centurie, on voit etc. On voit la position de toutes les troupes pour pouvoir et ça se passe dans un seul compartiment de terrain pour que tout le monde puisse se observer et garder une cohérence. Alors, donc les ordres sont donnés par le commandement aux différentes centuries avec des estafettes. Oui, vraisemblablement, oui. Oui, ça c'est moins bien décrit, mais c'est très très bien décrit chez Napoléon et il y a peu de chances que ça ait été différent. Oui, c'est-à-dire que le chef qui reste à l'arrière, le chef ne s'expose pas, à exception près. C'est arrivé, Jules César l'a fait. Bon, mais l'exemple d'Alexandre qui charge toujours, c'est juste ce qu'il ne faut jamais faire. Alors le chef romain qui est prudent, lui reste à l'arrière. On dit que l'empereur Trajan, qui était un grand empereur, qui a conquis la Dacie, était observé les batailles sur une estrade. On lui composait une estrade, et puis il donnait ses ordres. Et puis on peut imaginer effectivement que les estafettes partaient dans toutes les directions pour donner les ordres lorsque ça se passait mal. On voit aussi Jules César parcourir le champ de bataille dans une guerre contre les Belges, là, du côté de 57, je crois, la bataille du Sabis. Il parcourt tout le champ de bataille, ça se passe très mal pour lui à ce moment-là, et pour aller donner les ordres lui-même. J'imagine que les ordres pouvaient. Dégénérer au fur et à mesure. Oui, voilà, absolument. Mais en même temps, il a besoin de se montrer. Quand la bataille se passe mal, lui, il a besoin de se montrer pour montrer qu'il reste en première ligne. C'est quand même très courageux, Jules César. Donc, il savait se battre, il savait s'engager lorsque ça se passait mal. Il ne le faisait pas systématiquement, mais il savait le faire. Et c'est arrivé même chez les rois de France plus tard. Hein, oui, Philippe Auguste à Bouvines, etc. Bon, c'est assez classique. Alors, montons un clic au-dessus. Donc, au-dessus de la centurie, on a la cohorte. Voilà. Qui correspond au. C'est 6 centuries. 6 centuries. Ou 3 manipules. Ou 3 manipules. Voilà. Donc 6 fois 8, 48, 480 hommes. Et donc on voit qu'aujourd'hui. Ça correspond à quoi aujourd'hui ça correspond à un bataillon. Alors on dira qu'il n'y a pas de bataillon dans l'armée française, mais si, parce que. Lorsque l'on part en opération, on ne part pas en régiment, on part en structure bataillonnaire, ce qu'on appelle les groupements tactiques interarmes. Et puis les bataillons, c'est 500-600 hommes, c'est ce qu'ont gardé la plupart des armées modernes autour de nous, comme l'armée allemande par exemple. Donc c'est purement une forme militaire. Ils n'ont pas, vous savez, le back-office, tout ce qu'il y a autour, l'environnement, comme on a gardé dans nos régiments. Nous, nos régiments, c'est une entité administrative. On a l'administration, on a le commissaire à bord, on a les ateliers régimentaire, c'est-à-dire qu'on est presque autonome. Et dans les armées comme les Belges ou bien les Allemands, on a gardé des bataillons qui sont des structures uniquement de combattants et tout le reste est fourni ailleurs. Et ça fait 500-600 hommes. Et les structures bataillonnaires que l'on emploie en opération sont souvent entre 500 et 700, donc c'est quand même un tout à fait similaire. Ben d'ailleurs, effectivement, vous en parlez aussi également dans votre livre, vous dites dans le régiment, on a tout, y compris l'entretien, la maintenance, etc. Voilà. Visiblement, c'est ce qu'il y avait aussi dans l'armée romaine et dans l'armée française aujourd'hui, de moins en moins. Ça, vous avez l'air de le regretter. Oui, de moins en moins, et de moins en moins dans l'armée romaine au fur et à mesure où les siècles passent, où ça s'appauvrit. C'est le principe de la paupérisation. Lorsque vous n'avez plus les moyens, vous mutualisez. Alors, on l'a vu, par exemple, l'armée romaine qui avait une artillerie très très puissante, 59 pièces, c'est-à-dire une par centurie, 59 centuries, 59 pièces. 59 pièces qui faisaient un travail de neutralisation et de destruction comparable à l'artillerie moderne, et bien ces 59 pièces, à partir du 3e siècle, progressivement, sont regroupées dans des régiments particuliers parce que chaque légion n'a plus les moyens ou l'expertise de l'entretenir. Et ça, on le voit aussi, la mutualisation, petit à petit. Moi, je disais, quand j'étais capitaine, j'avais mon propre atelier d'escadron où j'entretenais. J'avais des mécanos et j'entretenais moi-même l'entretien.
il y avait une partie de l'entretien qui était faite au niveau de l'escadron, et puis maintenant c'est terminé, tout ça, ça a été regroupé, mutualisé pour des raisons d'économie. Ça, pareil, ça n'est pas un choix. C'est imposé par un contexte de ressources rares qui nous oblige à faire des choix qui sont drastiques. Et ce ne sont pas des choix militaires, parce que tous les militaires savent très bien que plus on a de l'autonomie en matière de décision pour s'organiser, mieux ça se passe, et qu'on n'est pas obligé d'attendre une décision de l'échelon supérieur pour pouvoir assembler les moyens dont on a besoin. Alors, au-dessus de la cohorte, d'ailleurs, qui commande la cohorte Alors, la cohorte, on ne sait pas très bien comment c'est commandé. Ah. Il y en a beaucoup. Alors, je n'ai jamais trouvé un texte qui dise qu'elle est commandée par quelqu'un. Alors, il y a sûrement un nom de gradé quelque part. La cohorte, elle est forcément quand on a 500 hommes, ce n'est pas sui generis, ça ne peut pas. Alors, moi, j'ai trouvé des textes où on disait, où des auteurs disent qu'elle est tellement bien formée qu'elle est capable d'y aller seule. Bon, ça n'existe pas. J'imagine. Voilà. Alors, je dirais que le plus logique aujourd'hui, que je pense, c'est que. Elle était commandée par le centurion de la première centurie. Et le centurion de la première centurie, le primus pilus, le premier pilum, donc c'est un des premiers centurions de la Légion. C'est la première centurie, la première cohorte est double. Donc elle a double effectif, donc au lieu d'avoir 80, ils ont 160, etc. etc. C'est le vieux Shibani, le plus expérimenté de la Légion. Et donc lui, c'est aussi un conseiller du légat de Légion, du chef de la Légion. Et donc on peut penser que très logiquement, tout le monde s'aligne sur le primus pilus. Mais ça, c'est moi qui le dis. On n'a pas de preuve historique que ça se soit passé comme ça, mais de toute manière, ce qui est certain, c'est que la cohorte était commandée. Bah, c'est forcément. Obligatoire. On en a parlé très rapidement donc, du groupement interarmes. Oui. Mais là, on en reparlera quand on parlera effectivement de l'artillerie, des archers, etc. Et donc, au-dessus de la cohorte, c'est la Légion qui correspond grosso modo à la brigade. C'est une brigade. Vous voyez, une petite donc, brigade. Voilà. Alors, les brigades, il y a la brigade française, pareil, on a toujours des gros effectifs. En plus, on a gagné un escadron, une compagnie par régiment ces derniers temps. Donc, moi, la 7, quand je l'ai quittée, elle faisait presque 8000 hommes. Mais vous voyez, les brigades alliées, c'est entre 4 et 6000. Bon, donc, c'est à peu près ce rapport-là. C'est clairement des brigades. Une légion est égale à une brigade avec un général qui commande des régiments. C'est un général qu'on appelle voilà. son nom exact. C'est un légat de légion. Oui, d'accord. Voilà. C'est un légat de légion qui commande. Et donc, souvent, il a fait une carrière sénatoriale, donc c'est assez prestigieux. Hein, c'est en même temps un politique De moins en moins, au fur et à mesure, il peut l'être, hein, bien sûr, mais à l'époque impériale, c'est de plus en plus un général professionnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous voyez, de la bataille de Cannes, ce sont des politiques qu'on envoie contre Hannibal, et puis on a vu ce qui s'est passé. Donc, effectivement, dans la Rome primitive, ce sont les consuls qui commandent l'armée, mais comme ce ne sont pas des combattants professionnels, il y a des très bons, puis il y a des très mauvais. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. Au-delà, est-ce qu'il y a un état-major général ? Est-ce qu'il y a un SEMA de l'armée romaine ? Alors, le SEMA, c'est clairement l'empereur. C'est l'empereur. Voilà, c'est l'empereur. Non, il n'y a pas d'état-major central à proprement parler. Ça se passe autour de l'empereur. Il a sûrement son état-major particulier. Par contre, chaque légion a un état-major. Le Consilium Castrense, qui est un état-major de type moderne, avec tout son environnement, ses chefs, le primus pilus, les préfets de camp, le préfet des ouvriers, celui qui s'occupe de tous les travaux du génie, etc., qui le conseille. Et donc, on a des tas d'exemples où le chef, Vespasien, Titus, prennent avis de leur état-major avant d'engager le combat. Alors, moderne aussi, c'est l'équipement qui est standardisé. Oui. C'est-à-dire, on le voit dans les films, dans les livres, effectivement, tout le légionnaire romain, le même bouclier, la même cuirasse, le même pilum, le glaive. Donc, tout est fabriqué sur un modèle précis et chaque légion, il y a des équipements différents. Il y a des équipements différents suivant les époques, bien évidemment. La standardisation, si vous voulez, c'est grosso modo, chacun, il a un bouclier, il a un casque, il a une cuirasse, il a deux pilums ou pilas. Mm-hmm. Pila et parfois des astae, c'est-à-dire des lances. Une pilum, c'est on lance. Et puis la lance, on, voilà. Donc ils ont ça, un gladius, un glaive, etc. Maintenant, quand les légions de Bretagne, de l'île de Bretagne, vous voyez, quand on est face aux Calédoniens, oui. les fameux futurs Écossais, on n'est sûrement pas équipés en plein hiver. Oui, parce qu'on les imagine toujours en jupette et en petites sandales. Oui, non, c'est faux. J'imagine qu'effectivement, dans les
Quand les légions, utilisaient, par exemple, facilement l'hiver les braies gaulois, c'est-à-dire les pantalons, on sait, parce qu'on a des traces de statues, qu'il y avait des chaussettes, ils avaient des chaussettes, ils utilisaient des chaussettes en hiver, et puis il y avait sûrement beaucoup d'emprunts locaux, et puis l'armement, il devait être, y compris la cuirasse, devait être fonction des capacités de construction locale. C'est-à-dire, vous savez, on a toujours l'idée de la cuirasse lamellée, d'Astérix, oui, la lorica segmentata, qui est une invention du tardive, ce terme-là qui n'existait pas en latin. Donc cette cuirasse lamellée, elle a toujours coexisté avec la côte de maille. Mmh. Donc il y a des légions qui, pendant tout l'Empire, sont restées en côte de maille. À partir du IVe siècle, d'ailleurs, on revient à la côte de maille, qui est plus lourde, plus difficile à fabriquer, mais qui protège également bien. Donc vous voyez, il y a une certaine standardisation, mais toutes les légions, en fonction de leur localisation géographique, mm-hmm. les possibilités du moment sans doute, n'étaient pas équipées. Mais est-ce que l'armement a beaucoup évolué entre la République et la fin de l'Empire ? Assez peu, en fait. Assez peu. Alors ils ont employé. Ils ont sans doute, alors on pense, emprunté par exemple bouclier aux Gaulois. La côte de Maille, on se pose la question aussi si elle ne vient pas des Gaulois, mais elle existait vraisemblablement. Parce que vous voyez, le combat hoplitique grec, c'est plutôt l'armure en bronze ou l'armure en. Vous voyez, avec ce qu'on appelait musculata, avec les pectoraux, etc. Donc ça, c'est vraiment. Alors que la côte de Maille, on pense qu'elle peut venir des Gaulois. La lance, le piloum, on dirait que c'est Samnite. Samnite, c'était les montagnards. Vous savez, dans les Apennins, contre lesquels Rome s'est battue pendant très longtemps après la conquête du Latium, quand il a fallu conquérir l'Italie, cette arête là qui est aujourd'hui, qui descend de la Toscane, etc. Oui. Et donc il y avait les Samnites, et les Samnites auraient fourni à Rome leur pilum. Après, tardivement, vous savez, ils avaient le glaive, mais après ils ont utilisé à partir du 3-4e siècle la spata, qui est l'épée gauloise beaucoup plus longue. Voilà, donc les apports ont toujours été très important, et les Romains se sont toujours adaptés absolument sans vergogne, j'allais dire, ils ont utilisé les bonnes pratiques de leurs adversaires, et ça aussi c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que dans un monde où on reproduit plutôt les pratiques des ancêtres, si vous voulez, oui. Et eux, ils observent ce qui se passe de bien ailleurs, et alors ils ont un processus de rétex empirique, retour d'expérience tout à fait extraordinaire, et ils n'hésitent pas à utiliser et les modes d'action et les équipements de leurs adversaires quand ils voient que c'est super efficace. – Alors, mode d'action, il y a deux armes dont il faut parler, c'est l'artillerie. – Oui. Et la cavalerie. Donc l'artillerie, elle est composée de quoi ? Donc, ce ne sont pas des canons, j'imagine. Des engins lanceurs de… – Alors, il y a les engins lanceurs de pierres, les engins lanceurs de flèches. Alors des scorpions ou bien… Des flèches, alors c'est plusieurs flèches à la fois ou une grosse flèche ? Alors c'est une grosse flèche à la fois, mais c'est des grosses flèches qui peuvent transporter trois personnes, vous voyez, c'est quand même c'est très puissant. Qui sont faits, c'est des machines à torsion. Donc on tord, c'est un peu comme un élastique, vous voyez, vous faites ça, et pouf, ça repart. Voilà, c'est exactement ce principe, qui sont faits avec du crin. Dans les quatre crises, on pouvait même les faire avec des cheveux qui tiennent très bien. Voilà, et donc l'armée romaine avait 59 pièces d'artillerie, c'est-à-dire une par centurie. Donc ça, ça a été décrit tardivement par un auteur qui s'appelle Végef. Ils avaient même des pièces d'artillerie qui étaient embarquées. Et donc c'est soit des pièces, vous voyez, type onagre, c'est-à-dire des lanceurs de pierres, c'est-à-dire et puis des types de type scorpion. Scorpion, c'est plutôt lanceur de flèches. Ceci dit, il n'y a pas d'unité lorsque l'on décrit quand on lit les auteurs antiques. Ils utilisent absolument tous les termes. Une balise, ça peut être un lanceur de pierres ou un lanceur de flèches. Vous voyez, il y a une certaine confusion dans l'emploi, j'allais dire, du vocabulaire. Ça nécessite un corps d'ingénieur. Ça nécessite des ateliers de réparation et de fabrication, car ils sont capables de fabriquer les pièces sur les guttières. Donc c'est en pièces détachées, c'est trimballé. Ça peut être en pièces détachées, ou bien c'est pas en pièces détachées quand c'est petit. Ouais. Ils avaient ce qu'on appelle des carro ballistae, c'est ça, qui étaient des pièces embarquées, tractées. Et alors c'était plutôt à flèche celle-là, et qu'ils utilisaient sur le champ de bataille, donc ils déplaçaient de manière très moderne, voilà. Mmh. Et puis quand c'était plus lourd, par exemple pour faire le siège d'une forteresse, des fois on était capable de construire des machines qui étaient capables de tirer à 300 mètres de 80 ou 100 kilos. Donc c'était absolument considérable. – Chose qu'on a redécouverte au Moyen-Âge. – Ah ben, au Moyen-Âge, on n'a pas redécouvert, on a continué à employer. Oui, je veux dire, il n'y a pas eu de déperdition de ce côté-là, ça a même été perfectionné, on a inventé le trébuchet, vous savez, donc avec un contrepoids pour donner encore plus de force, etc. Mais l'artillerie antique a été conservée tout au long du Moyen-Âge, on en a vraiment des traces, ça n'a pas été perdu du tout. – Alors, la cavalerie,
au tout début, les pas très employés, je crois que vous citez un nom qui est absolument ridicule, de cavalier. Voilà, ils ne sont pas des cavaliers, ce sont des fantassins. Pourquoi ? Parce qu'au début, bon, Rome c'est une ville étrusque, et les étrusques, ils menaient le combat de type hoplitique grec, c'est-à-dire voilà, la mêlée avec les lances, etc. Enfin, vous voyez, comme, c'est vraiment la mêlée de rugby, combat court, 45 minutes, qui se veut décisif, et puis on est lourdement armé, on s'arme juste avant la bataille parce que c'est très lourd, dès qu'il fait chaud, c'est compliqué à porter dans la durée. On fait la guerre, 45 minutes, mais essayez de combattre 45 minutes avec un bouclier comme ça, vous allez voir. Donc ça ne dure jamais très longtemps. Voilà. Et donc ça c'est le combat, j'allais dire, primitif qui est employé. Donc ce sont des fantassins. Et ils ont très peu de cavaliers parce qu'ils n'ont pas d'étrier. Très curieusement, ils n'utilisent pas d'étrier. Donc très tôt, ils ont utilisé la cavalerie alliée, et donc sous l'armée de Polybe, il y a quand même 300 cavaliers dans la Légion. Marius les ramène à 120, donc 120, ça fait plus que des éclaireurs, vous voyez, ou des estafettes, vous voyez, ça, on ne peut pas faire grand-chose de plus avec ça. Et donc on utilise, dès l'époque, par exemple, de Jules César, c'est vu dans la guerre des Gaules, il réclame du cavalier, donc des cavaliers soit germains, soit gaulois. Voilà, donc là, on emploie des auxiliaires. Et donc voilà, et il emploie des auxiliaires, et donc sous le Haut Empire, toute la cavalerie, c'est une cavalerie auxiliaire. Voilà. D'abord alliés, puis auxiliaires. Des Gaulois ? Alors, ce sont des Germains, ce sont des Gaulois, mais au début, ce sont des alliés. C'est-à-dire, les alliés viennent avec leurs troupes et se mettent sous commandement romain. Mais petit à petit, ce sont des régiments, hein, des ailes de cavalerie, des véritables régiments de cavalerie à 500 chevaux, qui sont formés à la romaine, commandés à la romaine, et armés à la romaine, et qui commandent sous commandement romain. Donc ce sont des vraies troupes, qui ne sont pas des citoyens, mais ce sont des vraies troupes régulières. Ce ne sont pas des supplétifs, si vous voulez, et qui sont absolument essentiels au combat, car sans ça, la Légion reste un instrument rigide, finalement. C'est l'instrument de la décision, on pousse vers l'avant, on manœuvre un peu, mais la cavalerie, on en a besoin pour aller vite, pour aller loin. Ils sont équipés de quelles armes, cavalerie? Assez légers, ils ont un petit bouclier, ils ont un glaive, ils peuvent avoir une lance, ils sont assez faiblement cuirassés chez les Romains. La cavalerie cataphracte arrivera plus tard, il y a des habitudes au 4e siècle de cavalerie beaucoup plus lourde, mais sous le Haut Empire, ça n'est pas le cas, et donc ce sont des unités extrêmement mobiles qui peuvent aller très loin. On utilise aussi les cavaliers arabes, de la même manière qu'on utilise les archers arabes, etc. Voilà. – Alors justement, il y a toutes ces nouvelles armes, l'arc, la fronde, etc., qui sont un peu méprisées par les Romains, j'ai l'impression. – Oui, pas l'arme noble. Ah – ben alors c'est moins noble que le combat droit dans les yeux, mais qui est hérité des Grecs, ça, si vous voulez. Sparte disait, le seul rempart qui vaille, c'est celui de l'homme. Donc Sparte n'avait pas de rempart. Donc on combattait parce que c'est droit dans les yeux, etc. Donc le combat grec exige le combat d'homme à homme, je veux dire, en combat presque singulier, droit dans les yeux, à cette distance-là, si vous voulez. Donc l'arc, c'est un peu l'arc des vaches. On tire à 300 mètres, on ne voit pas arriver. C'est l'arme des braconniers, c'est l'arme des scythes. Vous savez, c'est des orientaux, ceux qui tirent de loin et qui s'enfuient lâchement, alors qu'en fait, c'était juste des tactiques tout à fait efficaces contre les légions romaines. Oui, mais imaginez une légion romaine qui avance en bloc et puis qui se fait tirer dessus avec des nuées de flèches. On a vu des légions romaines disparaître complètement comme ça, dans les combats, notamment contre les Parthes, aux frontières orientales de l'Empire. Donc l'arc est méprisé par les Romains, mais ils en connaissent bien l'utilité. Donc ils l'utilisent, bien entendu, et il y a des unités de sagittaires, donc des unités d'archers, des unités d'archers montés également, et ils les utilisent comme la cavalerie. Ils en ont très 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 bien compris l'utilité, et c'est de la véritable artillerie légère. Ça sature le terrain, et ça donne un peu l'effet, si vous voulez, que pourrait avoir soit des pièces d'artillerie légère, soit des mitrailleuses lourdes. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, donc c'est absolument dévastateur, et par exemple, sur la colonne Trajane, on voit beaucoup d'archers orientaux, habillés à l'orientale, qui tirent. C'est la preuve, pour que ce soit mis sur une colonne comme ça aux côtés des légions romaines, que de leur importance sur le terrain et au combat. – Alors, on arrive bientôt au terme de notre émission. Il y a un sujet que je voudrais aborder, parce que je le trouve absolument fascinant, et on le voit aussi beaucoup dans les livres, ou dans les films, ou dans les bandes dessinées, c'est la construction des forts. Alors, il y a deux types de forts, il y a le fort de marche, et puis il y a le fort d'une légion
légions qui est installée. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le fort de marche. Oui. C'est-à-dire que vous avez ces légions qui marchent 30 km par jour. Oui. Donc on peut penser que, je ne sais pas, ils doivent marcher 6 heures peut-être. Oui, c'est 6 ça. 6 heures oui, par jour. Oui, voilà. Quand on arrive au camp, on ne se contente pas de planter la tente et puis de mettre quatre sentinelles. Non, on construit, mais c'est systématique. Systématique. On construit le camp et même à l'entraînement en temps de paix, on construit le camp le soir pour ne pas perdre les fondamentaux. Alors j'imagine qu'ils ne coupent pas les arbres à chaque alors, fois. Alors, ils coupent les arbres quand on peut couper des arbres. Si vous êtes en Germanie, vous coupez les arbres. Oui. Par contre, quand vous êtes en Judée ou bien quand vous êtes sur les frontières, sur l'Euphrate par exemple, eh ben, vous emportez les troncs avec vous. Ils emportent des piquets. Ça ne veut pas dire qu'ils les portent tous. Oui, donc c'est des mules. Il y a des mules. Ils ont quand même un train d'équipage qui leur permet de faire un certain nombre de choses. En revanche, ce camp, c'est un petit peu, si vous voulez, une espèce de camp blindé qui les suit jour après jour dans leur progression. Et ça, il y a une raison particulière, c'est que les Romains ont compris que, d'abord, ils portent un équipement très très lourd, 45 kilos, etc. La taille du Romain, c'est 1,66 m en moyenne. Ça n'a pas beaucoup évolué jusqu'au 19e siècle. Donc, ils se fatiguent. Et ils se fatiguent à tel point qu'on pense que, et ça n'a pas évolué au cours des siècles, qu'ils portent à peu près 10% de plus que ce leur permet, je dirais, leur capacité physique et leur poids et leur taille. Donc 30-40 kilos voilà, à peu près, voilà. Comme et ce rapport, je veux dire, ce surpoids qui épuise est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on emporte plein de munitions et donc on s'épuise. Et donc, il faut se reposer le soir. Il faut absolument dormir. Et donc, les Romains n'engagent pas le combat avant d'avoir s'être reposé. Donc, le soir, quand on arrive, on pose le camp. Et donc, on part très tôt, on arrive très tôt. Et puis, pendant 3, 4, 5 heures, je sais pas, on creuse le fossé, on rejette la terre pour faire un remblai, et on met un valoum dessus, c'est-à-dire on met les pieux, et puis après, on fait des chicanes pour les portes, etc. Et on installe les légions. La légion était précédée par des géomètres, hein, des libratores, etc. Il y a des métatores, les maîtreurs, etc. Ils arrivaient avant, ils mettraient tout, l'emplacement des légions, l'emplacement des centuries, tout était codifié. Les portes, et quand la Légion arrivait, elle suivait le tracé et elle installait son camp. Et donc, elle pouvait se reposer pendant la nuit, et il n'existe pas un seul exemple, moi je ne l'ai pas trouvé en tous les cas, de camp de marche, c'est-à-dire pour nuit, qui a été pris d'assaut. Alors, on trouve des camps qui sont pris après une défaite, par exemple, ils se réfugient dans leur camp, c'est trop tard, ils sont pris d'assaut. Par contre, camp de marche, il n'est pas pris d'assaut. Pourquoi ? Vous avez une Légion qui fait 6000 hommes. Lorsque vous voulez prendre d'assaut un camp retranché, on sait bien qu'il faut entre 3, minimum un rapport de force de 3 à 5 contre 1. Oui. Donc il est quasiment impossible dans l'Antiquité de trouver une force capable de, en une nuit, simplement pour quelques heures, de ramasser 20 000 hommes pour donner l'assaut d'un camp comme ça. Donc quand ils sont en territoire ennemi, ils progressent avec des camps et ne peuvent pas être pris d'assaut. Et donc c'est une des très 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 grandes forces de l'armée romaine. C'est eux qui ont eu les camps ont existé dans toutes les armées, mais eux c'était fait de manière institutionnalisée et de la manière absolument rigoureuse pour mettre leurs troupes à l'assaut, à l'abri, et faire en sorte qu'elles puissent se reposer avant de combattre. – Chose qu'on trouve d'ailleurs de manière un peu plus pérenne aujourd'hui avec les fameuses FOB construites Oui, les FOB, alors les FOB elles sont sur le plan… – D'ailleurs on va expliquer FOB, l'acronyme. – C'est Forward Operating Base. Voilà, – donc ce sont des camps retranchés. Ce sont des camps qui ressemblent aux camps romains, c'est carré avec des tours aux angles, etc., tout à fait. Sauf que les FOB ne se déplacent pas. Elles mettent à l'abri des coups, ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications vraiment passionnantes. Et puis, j'engage nos téléspectateurs à se plonger dans l'armée romaine, première armée moderne aux éditions Pierre de Taillac. Je le disais en début d'émission, ça se lit très facilement, comme un vrai roman. En plus, il y a plein de notes, il y a plein de citations. C'est un livre à recommander. Merci beaucoup, Nicolas Richoux. Merci encore à notre invité. Nous allons maintenant retrouver Christopher Lannes et La Petite Histoire. Mais en attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine.
Qu'est-ce que la Gaule? Eh bien, la Gaule, c'est tout d'abord un territoire qui s'étend au nord de la Manche, jusqu'au sud, les Pyrénées, à l'est, les Alpes et le Rhin, et à l'ouest, bien entendu, la façade atlantique. Mais sur ce territoire vivait un peuple, ou plutôt des peuples. Ces peuples étaient tous bien distincts et n'avaient pas du tout le sentiment d'appartenir à un même peuple, encore moins à une nation. Malgré tout, ces peuples avaient tout de même des choses en commun, les deux principales étant la langue indo-européenne et la religion. La langue indo-européenne, je veux bien sûr parler du celte, évidemment. En outre, les chefs de ces peuples se réunissaient parfois en concile, le Concilium Galliarum, pour délibérer sur tel ou tel problème. À partir de là, il est difficile de dire que la Gaule n'existait pas. Il y avait des peuples différents, certes, mais la Gaule, elle, était bien reconnaissable, bien distincte. Une idée reçue qui circule largement sur les Gaulois, c'est que c'était des sauvages, des sortes de barbus poilus qui couraient tout nus à une lance à la main, et qu'ils vivaient en tribu. Eh bien, pas du tout, les Gaulois étaient très civilisés, ils vivaient en cité, sur le modèle grec, et avaient même des lois qui étaient issues du monde méditerranéen, romain et grec. Il y avait une assemblée du peuple, un sénat, et même des magistrats. On voit bien ici l'influence romano-grecque. Et si je parle d'influence, c'est bien sûr parce qu'ils n'étaient pas isolés du reste du monde. Ils avaient des contacts commerciaux très étroits avec Rome, notamment ils importaient du vin de Rome, mais aussi les cités grecques de la côte méditerranéenne, comme Marseille par exemple. Oui, Marseille n'était pas une ville gauloise, de même qu'aujourd'hui, quand on y va, c'est à se demander si elle est aujourd'hui une ville française. Bah, ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer dans les détails, laisse tomber. Enfin, les Gaulois ont connu depuis longtemps la Macédoine, à qui ils fournissaient des mercenaires. Par ailleurs, ils savaient construire des villes, des belles villes, et bien protégées en plus. Le fameux Murus Gallicus a fait l'admiration de César. Vous pouvez d'ailleurs en trouver une reproduction aujourd'hui à Bibracte, dans le Morvan. Alors les Gaulois n'ont pas laissé de littérature pour la simple et bonne raison qu'ils n'écrivaient pas et que tout se transmettait à l'oral par l'intermédiaire des prêtres, les fameux druides. Concernant la population, elle était divisée en deux parties, en deux classes sociales, dirait-on aujourd'hui. Les nobles qui possédaient les terres avaient le monopole du commerce et pouvaient battre monnaie. Par ailleurs, les prêtres étaient recrutés parmi le milieu des nobles et les hommes libres, ce qu'on appelait les hommes libres en tout cas, puisque leur statut était proche de l'esclavage. Et d'ailleurs, ça a fait de la peine à César. C'est pour dire, pour faire de la peine à César, franchement, il fallait vraiment être dans la merde. Cette société était très violente, la violence était très présente dans les guerres entre peuples. On a retrouvé encore récemment un immense charnier avec des corps sans tête, c'est pour vous dire. Par ailleurs, il en émanait un certain raffinement, comme peuvent en témoigner tous les objets d'art qui ont été retrouvés et qui suscitaient l'intérêt des Romains. Concernant le rôle des femmes, eh bien dans les sociétés celtes, les femmes étaient bien plus libres que leurs cousines du monde méditerranéen. Elles pouvaient devenir reines et même chefs de guerre, comme par exemple sur l'île de Bretagne. Parlons maintenant de la conquête de la Gaule. De quoi est-elle partie? Eh bien tout simplement de l'ambition d'un homme, Jules César, à qui il fallait une grande guerre, une grande conquête pour pouvoir s'enrichir et gagner en notoriété afin de devenir un grand général, puis de rejoindre Rome pour éventuellement y prendre le pouvoir. Alors déjà dans les années qui ont précédé la conquête de la Gaule, en moins 52 avant Jésus-Christ, ce qu'il faut savoir c'est que César avait déjà essayé de déclencher la guerre sans succès. Par exemple en 58, il a provoqué un conflit avec les Helvètes qui voulaient quitter leur montagne pour se rendre en Saintonge. Ensuite il a attaqué Ariovist, le roi des Suèves, qui ne demandait rien à personne et qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Mais tout ça, bien que ça ait été des deux victoires pour César, n'a pas suffi à provoquer le grand conflit qu'il espérait. Il va alors passer à la vitesse supérieure en 57 avant Jésus-Christ, hein, en attaquant les Belges. Vous voyez, quand on veut se refaire une petite santé, il faut toujours attaquer les Belges. Ah mais ça va, c'est pour rire. Ensuite, en 56, il va attaquer les peuples de l'Ouest, qui étaient jugés moins menaçants, hein, moins costauds, mais il n'aura à réprimer que quelques révoltes durant 3 ans. Une fois de plus, son plan a échoué. En 52 avant Jésus-Christ, César va enfin obtenir ce qu'il souhaitait, une révolte générale. La révolte n'est pas totalement générale, mais c'est quand même une grosse révolte qui a été menée par un homme, un grand guerrier, que vous connaissez,
Vercingétorix. Vercingétorix va tout d'abord pratiquer la stratégie de la terre brûlée et va parvenir à chasser totalement César de la Gaule septentrionale. Il va l'obliger à se replier par le sud, mais malheureusement il va ensuite changer de stratégie pour opter pour la stratégie du marteau et de l'enclume. Le but est simple, se réfugier dans une grosse cité comme Alésia, une cité bien fortifiée, y attirer les Romains pour qu'ils y mettent le siège, puis faire venir des renforts de l'extérieur pour attaquer les Romains de dos. Alésia, la cité assiégée, c'est le marteau, les renforts, c'est l'enclume. Cette stratégie, alors que César avait perdu la guerre et il était en train de battre en retraite vers le sud, va mener Vercingétorix à sa perte. Certes, les renforts sont bien arrivés, mais ils ont été littéralement taillés en pièces ou mis en PLS, au choix. On connaît la suite, Vercingétorix va être fait prisonnier, etc., etc., puis César va rentrer en Italie, et là on va pas rentrer dans le détail, hein, le passage du Rubicon, la prise du pouvoir, tout ça, parce que ce n'est pas notre sujet et ça mériterait une vidéo entière. Alors vous attendrez. Après avoir encaissé cette défaite, la Gaule a dû payer un énorme tribut à Rome. Un tribut pécunier bien sûr, mais aussi en termes d'hommes. Les Gaulois ont perdu des dizaines, des centaines de milliers d'hommes au combat, mais aussi réduit en esclavage. Enfin bref, ça a été une catastrophe, et ensuite, pendant 20 ans, le pouvoir romain va très peu s'occuper de la Gaule, à l'exception de quelques gouverneurs. Mais pendant ce temps, la Gaule a été réorganisée, tout d'abord territorialement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aussi au niveau de la division entre les hommes libres. Désormais, la population des hommes libres est divisée en deux parties. Premièrement, les pérégrins, c'est-à-dire les hommes qui souhaitent conserver leur identité nationale, entre guillemets, c'est-à-dire la langue celte et leur panthéon celtique. En gros, ceux qui veulent rester des Gaulois. Et la deuxième catégorie, c'est les gens qui vont demander à avoir la nationalité romaine. Alors c'était quelque chose qui offrait plusieurs avantages juridiques, militaires et financiers, mais aussi un certain prestige social. C'est pour ça que tous les nobles gaulois, quasiment, se sont très vite romanisés. Mais pour obtenir le statut de citoyen romain, il fallait le mériter, il fallait faire une demande, puis prouver qu'on parlait latin et qu'on était fidèle à Rome. Par ailleurs, il fallait se comporter, se conduire, s'habiller comme un Romain, à Rome, fait comme les Romains. D'ailleurs, on devrait s'inspirer de cette méthode d'acquisition de la nationalité aujourd'hui, parce que pas sûr que les gens à qui on la distribue comme ça, à la volée aujourd'hui, se comportent comme des Romains et encore moins comme des Français. C'est un autre sujet. Quoi, non, j'ai pas peur de les nommer ces gens. Les Suédois, tout le monde sait de qui je parle. Pour revenir à notre sujet, par la suite, les années ont passé et la fusion entre Gaulois et Romains s'est faite progressivement, ce qui a donné les Gallo-Romains. Pendant 5 siècles, cet état des faits a perduré, et ensuite, 500 ans après, il y a eu les premières invasions des Germains, puis ensuite les Francs, ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, des Français. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire en extérieur. J'espère que ça a été agréable pour vous de regarder. Je sais que les vidéos en extérieur se regardent plus facilement et sont plus agréables à regarder. En plus, il fait beau, donc on en profite. On va pas s'enfermer dans son bureau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, toujours sur TV Liberté et en audio sur Radio Liberté.